Il y a des gens qui voudraient prouver que la droite ne peut plus gagner qu'en s'associant avec l'extrême droite ou en se droitisant. Et qui sont évidemment très inquiets de voir que le rassemblement est en train de se faire à Paris sur d'autres bases. Ils sont aujourd'hui, je le dis, les meilleurs soutiens de Madame Hidalgo. Nous pouvons gagner Paris. Nous le gagnerons en rassemblant. Nous le gagnerons en choisissant aussi le meilleur candidat pour ce faire. Pelletier, c'est le buisson qui cache la forêt. Pelletier, c'est pas un Parisien, c'est pas même un Francilien. On s'interroge d'ailleurs sur sa légitimité à porter un discours sur ce sujet-là. Mais derrière tout ça, il y a des gens qui voudraient prouver que la droitisation et l'alliance avec le Front National à terme sont indispensables. La méthode qui consiste à désigner un bouc émissaire, une cible, à dire voilà, c'est elle qu'on veut pas, il faut voter contre elle. Moi j'ai déjà vécu une fois, c'était Marine Le Pen qui faisait ça. Il faut pas mentir aux gens, c'est pas vrai qu'on démarrerait ou qu'on désadopterait. C'est un mensonge, on peut pas dire ça aux gens. Sa nomination ou son choix à l'un ou à l'autre, et qui donc pourra faire des choix...